Alors on était où? Ah, on peut descendre. Yona! 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 Yona, allez, ramène tes fesses. On y va. Je crois qu'on peut partir par là. Oui, évidemment. Ces petits... Je le répète encore, mais après j'arrêterai. Je ferai comme si... Comme si tout allait bien. Mais ces petits lags... Ça vient pas de la config, hein, ça vient du jeu, hein, on est d'accord, parce que le jeu ne lag pas, hein, il est constamment à 60 fps, il n'y a pas de problème. Mais ces petits lags de transition, c'est extrêmement chiant. Yona, donne-moi un coup de main. Ouais. À 3, 2, 1. Putain, mais c'est qui porte là? C'est Lara, ouais, ou lui? Ah. Ah ah. Mais passe par-dessus! Casse les branches! Allez! T'as un boulet, Yona. Arrêtez de regarder. Oh non. Non, quoi? Non mais finis-le! Il est pas mort là, si? Lara! Est-ce que ça va? Ça va! Ça va aller? Je veux bien que tu m'aides. Tout va bien. Ton dos est salement amoché. Elle s'en fout. Elle s'en fout complètement. Je vais préparer le campement. Laisse-moi jeter un coup d'œil. C'est pas joli. Tu sais, avec tout ce qu'on traverse en ce moment, je pense à mon frère. J'ai toujours essayé de le protéger. De mon père. De lui-même. Mais je l'ai perdu. T'as fait ce que t'as pu. Si j'avais été au bon endroit, au bon moment, il serait encore là. Si j'avais eu des yeux derrière la tête. Tu peux pas protéger tout le monde. Merci. Il me manque. Je sais. Mes parents, ils me manquent tellement.
J'ai rêvé de ma mère il y a pas longtemps. Ah oui. C'était tellement réaliste. Quand j'étais petite, mon père n'arrêtait pas de me cacher des choses. Des secrets. Sur elle, notamment. Pourquoi il faisait ça ? Après la mort de ma mère, il a cherché à m'épargner. Ça m'a jamais empêché d'être curieuse, bien sûr. J'ai encore tellement de questions. Ton père a créé autant de mystères qu'il en a résolu. Dominguez a dit qu'il voulait utiliser la boîte d'argent d'Ischel pour refaire le monde. Si toi, tu avais ce pouvoir, tu en ferais quoi ? Je paniquerais déjà. Tu reviendrais pas à l'époque où ton frère était vivant pour le retrouver ? Et perdre tout le reste. Non, non. J'aime bien ce monde. C'est... Il n'est pas parfait. Mais tout ce à quoi je tiens, maintenant, s'y trouve. Pour prétendre au trésor, l'aventurière Lara Croft doit triompher du roi, atteindre la tombe interdite et résoudre le mystère de la Reine Blanche. Mais la route sera semée d'embûches. Lara, ça rend tes exercices de maths ? L'aventurière ne doit pas traîner une seconde. J'ai presque fini ! Les murailles du château l'appellent. Tentatrice. Oh mon dieu. Notre héroïne croise d'étranges créatures. Elles sont peut-être sanguinaires. On est une petite Lara Croft. Ah ça, je m'y attendais pas. Très peu vu. Okay. La Reine Blanche est enfermée, mais personne ne l'oublie. Déjà qu'elle n'en avait pas beaucoup. Ah, franchement, elle révélera bientôt tous les secrets du site. La VF me dérange, mais vraiment beaucoup, en fait. Dans le 2, c'était pas aussi nul. La VF, elle sonne déjà fausse. Enfin, c'est très mal joué. Mais le pire, c'est la différence de volume. Des tombes récentes. Le roi n'est pas tendre avec les intrus. La différence de volume, elle est atroce en fait. Des fois ils gueulent, des fois ils sont les calmes. Les portes du château sont bien gardées. C'est pour ça que notre héroïne évite la porte d'entrée. Donc c'est très très agaçant. Puis il y a trop de parlotte entre Jonah et Lara. Franchement, on s'en fout. C'est pas intéressant. Incroyable. Croft pénètre dans une chambre funéraire, inviolée depuis plus de 1000 ans. Mais t'es une folle en fait. Depuis toute petite, t'es complètement timbrée. C'est ça. Ah, je comprends mieux maintenant.
Moi, je pense, plot twist, elle est dans un asile, dans une chambre. Et elle imagine tout ça. Ça expliquerait pourquoi. Il y a quelque chose là-haut, dans le nid du corbeau. Ça expliquerait pourquoi il y a des zombies et tout ça. Je dois faire mieux que ça. J'avais la boule dans les mains. Bon, allez, on y va là, on se casse, qu'est-ce qu'on doit faire? Eh ben... L'épreuve de vérité. Notre héroïne, la tombe interdite, l'appelle. C'est débile. Le trésor apparaît soudain. Je crois que c'est quand on a fait de la randonnée à elle-même chat. Je n'ai pas beaucoup de souvenirs, si ce n'est l'odeur des épices au bazar. Mes parents ont l'air tellement heureux. Qu'est-ce que je... Il y a un truc caché sur la photo, mais je vois pas quoi. Examiner pour trouver des informations cachées. Examiner quoi? T'as la photo et t'as pas de date derrière, y'a rien. Qu'est-ce que j'examine? Montrer la collection. Non. Qu'est-ce que... Oula! C'est bon? C'est marrant parce que je veux pas dire, mais ils auraient pu quand même modéliser avec une culotte, hein, on est d'accord, parce que bon, évidemment que ça va se voir si elle est acrobatique et tout ça. Enfin, y a plein de jeux qui font ça, mais là non, ils ont mis deux jambes et un tronc en fait. Et après c'est rien. Enfin bref, détail, modélisation. C'est bon, on peut partir de cet endroit maudit. Peut-être qu'on va pouvoir grimper, non? Maintenant, en route pour la tombe interdite. Oh la folle! Oh la folle! Notre héroïne ne doit pas faire de bruit pour ne pas alerter le roi. Mais elle était horrible en fait quand elle était petite. Mais quel est le rapport avec Lara? Elle est dans sa chambre, elle fait ses devoirs. Elle n'a pas beaucoup de temps. La petite gamine insupportable. La garde royale ne s'attendra pas à ce que Croft escalade le château. Regarde comment c'est haut. Regarde-moi ça, la folle. Du château est plus haute qu'attendu. Mais ta gueule, concentre-toi au moins. Si tu me fais peur. Oh mon dieu. La cinglée. Non, t'es sérieux? Notre héroïne remarque une autre entrée. Mais t'es une malade! La jeune Lara risque une chute mortelle en avançant. Sans déconner! Fait le vide dans son esprit. Oh. Arrête de parler à la troisième personne! Cinglé! Oh mon dieu! Elle me stresse, mais à un point incroyable. Elle va sauter. Non, tu vas pas sauter quand même. On
est presque. Allez, monte, monte, monte. Oh. Putain. Elle reprend l'équilibre et sa progression. Direction la tombe interdite. Oh la vache. Je vais avoir une crise cardiaque, moi. Elle va devoir se faufiler. Je croyais que c'était des bouteilles. Je me suis dit, regarde-moi ça. Tu vois, si c'est ton père. Proche qu'elle peut presque la toucher. Mais un champ de force invisible l'empêche d'avancer. S'il en a marre de toi. Il doit trouver une autre entrée. Mais où tu vas, espèce de folle? Notre intrépide aventurière a atteint le sommet. Mais où ils vivent? Sérieux, c'est où ça? C'est en Angleterre? Suicidez-vous. Tu vas passer comment le truc? Tu vas l'enjamber, normal? Ouais. Quelle question. Là, pareil. Enfin, elle trouve un moyen d'entrer un peu plus bas. Elle doit rester sur ses gardes. Mais dans quoi je m'embarque encore? Ah mais je sais pas, mais Ah, pas de gros mots, s'il te plaît. Ton père, il t'a pas élevé comme ça. Enfin, je crois que ton père, il t'a pas élevé du tout, en fait. Oh la vache. Croft rit de son culot. Elle est tout près maintenant. Oh mon dieu. Ouf. Enfin, elle pénètre dans la tombe interdite. Waouh. C'est quoi ça? Objectif secondaire, consulter un psy et enfant nuit, pour éviter de provoquer la chauve-souris a volé la reine par 30 nord et 90 est. De sa plume, elle décrit son cœur et de la lumière jaillit son amour libéré. La reine blanche se sent peut-être seule. What? Oh, putain. Le mot disait 90 degrés. C'est un très vieux jeu. Deux boucliers et une couronne blanche. La reine blanche, peut-être? Deux boucliers et la reine blanche. Donc ça, c'est des pions. Ça, c'est les boucliers. Et elle est où, ta reine? Une barde de la moitié du 14e siècle. Germanique, je dirais. Une barde pareille. Ça devait être lourd pour ces pauvres cheveux. Le roi et la reine blanche. Il y a un truc avec les boucliers. La pauvre bête devait à peine y voir derrière ce chanfrein. Pauvre reine. Marie-Thérèse et Louis XIV, le roi Soleil, épousa Marie-Thérèse, mettant un terme à une longue période de guerre entre la France, un artefact égyptien, un rouleau byzantin. La justice est la volonté constante et perpétuelle de rendre à chacun ce qui lui est dû. C'est de l'empereur Justinien. La coupe de Saint-Jean. La tête du roi David. Le berger est devenu roi. Une citation de Chaucer. Quoi de mieux que la sagesse? La eh femme. Ben. Quoi de mieux qu'une femme pleine alors, de bonté? Centre, droite, gauche. Ok, ça marche. Let's go. Mais où sont les pions blancs? Exact. Mais où sont les pions blancs?
Un truc à voir, c'est que là, il y a une... Il y a une ligne, donc y a... ça doit sûrement s'ouvrir. Je pense. Il faut un truc au milieu, mais je sais pas quoi. Il faut la reine blanche au milieu. C'est tous les mêmes. C'est un très vieux jeu. Deux boucliers et une couronne blanche. La reine blanche, peut-être ? Ah, c'est l'inverse. C'est de l'autre côté. Je crois. Parce que ça continue de ce côté en fait. Là-bas. Par contre. Toi, viens, va là-bas. Toi, va je sais pas où, mais va là-bas. C'est vrai que ça doit être lourd cette merde, hein. Mais elle le porte tranquille. Allez Lara, la schizophrène. Qu'elle avait dit 90? Non. Lara, tu veux pas me répéter ce que t'avais? Ah, 30 nord, 90 est. Jaillit son amour libéré. Ça a marché. Qui a construit cette maison? Croft a rejoint la mezzanine interdite. Elle va devenir un Yatiri, un guérisseur sud-américain, un bébé tyrannosaure. Est-ce qu'il a perdu sa maman lui aussi? Oh. D'où qu'on les regarde, ces masques ont l'air de vous observer. On dirait que c'est Maya. Ça vient de Colombie. Je n'avais jamais vu certains de ces artefacts avant. Un ossuaire. Il contient les os d'une personne décédée. Ce qu'ils auraient dû faire, c'est le genre d'armure que portaient les conquistadors pendant les grandes découvertes. C'est mettre des artefacts des premiers Tomb Raider. Genre la dague de Sion. L'intérieur du sarcophage est incroyablement élaboré. Et des trucs comme ça, ça aurait pu être cool, comme Easter eggs. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Les ailes de la chauve-souris se déploient. Ah, c'est bien là-bas. Allez, suicide-toi. Toi, bien. J'avais raison pour cette partie, en tout cas. Le bouclier du chevalier réfléchit le rayon de lumière. Oui. Par contre, là, on va avoir un problème. Ah non. La voilà. La reine blanche. Pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple? Je dois l'aider. Bah là.
Maintenant, je peux la libérer. C'est comme ça qu'on jouait aux échecs à l'époque. Et de la lumière. C'est pas chiant du tout. Ça prenait des jours. Les parties duraient des jours et des jours. Incroyable. C'est un malade le mec, l'architecte. Le cœur battant, notre aventurière passe la barrière d'un monde inconnu. C'est à maman. Les chauves-souris, dit le chevalier rouge. La reine blanche lui sourit avec curiosité et dit : Non, je n'ai pas peur des chauves-souris. Je n'ai peur d'absolument rien. Ah, la folle ! Tu tiens ça de ta mère ! Alors, tu m'expliques ? Toi et moi, on chevauche un T-Rex en Égypte. Et papa, il est où ? Au travail. Abandonner mes responsabilités. Je suis sur le point. Tu es toujours sur le point. Ton obsession va détruire notre famille. Obsession ? Mon obsession ? Tu rates l'enfance de ta fille parce que tu pars toujours fouiller des tombes à l'autre bout du monde. Bah, si c'est son boulot. Tu pourrais pas te réjouir de ce que tu as. Oh, mais bon sang ! Rien ne vous oblige à vous. Papa ? Non, je vous en prie, vous devez comprendre, c'est certainement la plus importante de toutes mes découvertes. Bon, ok, qu'est-ce que je dois, qu'est-ce qu'il faut ? Papa ? Papa ! Mais y a pas de nounou, rien. Alors c'est un château, le truc il est vide. Bonjour. C'est bizarre, non? Ma fille est folle, ah! Donc une montagne couronnée d'argent. Oh. Cette veste a été faite à partir de la peau d'un jaguar empereur qui m'a presque tué. Peau sombre permet de dissimuler aux yeux des ennemis. Je crois qu'on va... Ah, ça m'embête, ça. J'aimais bien être... Ah ouais, on peut pas. On peut pas tout mettre en fait. Ils ont fait ce système. Ça existait pas avant par contre. De pouvoir mettre des vêtements par-dessus les vêtements. Vigilance des ennemis. Les ennemis prennent plus de temps à repérer et à identifier Lara comme une menace. Déplacement furtif, réduit le bruit que fait Lara lorsqu'elle court. Ça a aucun sens, hein. Je veux pas dire, mais ces bottes, elles ont pas changé, hein. C'est juste... Dans les... Enfin, bref. Ah, les ennemis prennent plus de temps à repérer. Ouais, d'accord, ok. Mais du coup...
Ah, du coup, mais t'as des... T'as des vêtements, mais tu peux pas les utiliser, en fait, en théorie. Bon, après... Après, les avantages de tenue complète.